Pendant que la famille de Johnny Hallyday se prépare à livrer bataille à propos du testament du rocker mort le 5 décembre dernier d'un cancer du poumon, ses amis et ses proches continuent de lui rendre hommage. Invité sur le plateau de Quotidien, Gad Elmaleh a évoqué ses rencontres avec l'artiste, qu'il a toujours soutenu dans sa carrière. Pour le remercier, l'humoriste l'avait d'ailleurs invité sur scène le 16 mai 2015 pour ses 20 ans de carrière. J'ai eu la chance de le côtoyer, de le connaître, de faire de la scène avec lui, et je suis très ému, je suis pas triste, mais très content d'avoir pu vivre ce moment, a-t-il confié à Yann Barthès avant d'expliquer que Johnny Hallyday l'avait beaucoup soutenu dans le lancement de sa carrière américaine. Elle est venue me voir, beaucoup. Il est venu me voir dans des petites salles. Il se mettait dans un coin, Johnny Hallyday à Los Angeles, il se mettait dans un coin et il venait me voir à la fin de la soirée et il me disait, si est-ce incroyable ce que tu fais, se souvient-il avant de poursuivre avec des étoiles dans les yeux, et j'avais cette star, cette légende qui me disait ça. Il m'a beaucoup inspiré, si est-ce pas que les comiques, et je souhaite à tous les artistes d'avoir une aussi belle carrière que lui. Questionné sur la bataille autour de son héritage, Gad Elmaleh a préféré ne pas commenter, parlant juste de sentiments d'indécence mais ajoutant avec humour, maintenant s'il m'a laissé quelque chose. Je a-t-il lâché en riant.